Bon, on va aller ouvrir une session d'Analog Lab, les gars. Alors, c'est Analog Play, hein. C'est la version gratuite de Analog Lab. J'ai l'impression qu'ils m'ont entendu carrément. Ah ouais, boum. Ils ont lancé ça et je me suis dit que ce serait intéressant de te montrer ce que tu vas pouvoir faire avec la version gratuite de Analog Lab. Donc ici, tu as pas mal déjà de presets intéressants. J'ai mis une sélection. Hein. Je ne sais pas si je l'ai mise dans Drill FR Multikit ou dans la Drillbox. Je crois que c'est dans la Drillbox. Hein. Drillbox Analog Lab. Donc on va aller déjà ici dans Drill FR Multikit, voire dans le Sample Pack, Curse Sample Pack. Un petit def. Voilà, un petit minor. On va aller glisser ça ici et on va aller ici doubler. Hein. Et je vais aller dans les presets Analog Lab Play. On va aller dans les pads déjà pour assurer une ambiance. Ça c'est cool. Tiens, je vais aller dans la sélection de presets que j'ai de Analog Play. C'est dans la Drillbox, le lien sera dans la description les gars si vous l'avez pas encore récupéré. Je vais choisir un choir. Voice strings. Ah ça c'est un pec. Ensuite je vais doubler ça et je vais aller choisir un pad cette fois. Vraiment un pad dans la sélection que j'ai. Ça, c'est plutôt cool. Alors, je te laisse faire le tour des presets. Hein. Moi, je vais garder celui-là. Cinema Strings. Je vais baisser ça d'une octave pour voir ce que ça donne. Bon, ça va. Je préfère garder ça comme ça. Ensuite, on va aller dans les keys. Ce que j'ai trouvé pas mal, c'était Book of Memories. Et ici, on va juste faire un strum. Hein. On va juste copier-coller, faire un layer. Et je vais faire un Alt-S. Ensuite, je vais faire un Alt-R pour randomiser un petit peu plus et humaniser un petit peu la mélodie. Alors, tu peux tester, hein, y a pas mal de keys intéressants. Il y a le Kalimba aussi qui est cool. Alors, il y en a un qui s'appelle Longtemps.
Je me dis, doit y avoir un Français qui est passé par là, les gars. Donc, t'as pas mal de choix. Je vais garder Book of Memories. Je pense que c'est le meilleur pour moi. On aurait pu carrément prendre une guitare aussi, hein, les gars. Mais voilà, je vais prendre une flûte vite fait pour voir. Je vais retourner voir ce que j'ai dans Drill FR MIDI Kit, dans le sample pack. On va mettre ça ici. Et je vais repartir ici pour Sandbass aussi. On va choisir une basse là tout à l'heure, les gars. Alors ici, on va tester les flûtes. J'ai choisi Strawberry. On va aller doubler ça. On va baisser ça d'une octave. Et je vais aller retirer les notes ici. Faire un Alt S. Face mélodie, les gars, on se prend pas la tête. On essaie rapidement de voir ce que Analog Play a dans le ventre. Plutôt cool, hein? Début de mélodie. Donc ici, je vais aller faire un split by channel. On va mettre ça dans la playlist. Ah bah tiens. Voilà, ce sera tout pour moi. Merci à toi. Si tu veux voir plus de vidéos Melody Training, clique ici. Si tu veux voir plus de vidéos Drill FR Training, clique ici. On est entre producteurs. Ciao.